toujours animé d'un désir d'accompagner des gens, avec cette envie d'être au chevet de tous ceux qui ont besoin, elle a eu cette idée. Elle a pensé, et voilà que c'est devenu une réalité au Cameroun. Miss Wheelchair Cameroun, première édition organisée ici à Douala, mais qui regroupe un ensemble de compétiteurs ou de compétitrices, autant pour moi, venant des quatre coins du Cameroun pour valoriser les personnes handicapées sur des chaises roulantes. C'est un plaisir de savoir que pour une femme comme elle, elle accepte d'être au chevet des autres. Elle, c'est Mirette Madaché que nous avons l'occasion et le plaisir aujourd'hui de recevoir sur MyFrica TV. Salut Mirette et merci d'avoir accepté cette interview avec nous. Salut Laurent, merci beaucoup pour l'interview. Merci pour le partenariat. Voilà, ce que nous voulons savoir, c'est quelles ont été tes motivations au départ pour penser à organiser un tel événement. Il faut déjà dire que moi, en tant que personne à mobilité réduite, j'ai fait un accident et j'ai dû utiliser le fauteuil roulant durant 6 mois sur mon lit d'hôpital. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai vu que quand on parle de femmes handicapées, on parle vraiment de celles-là qui utilisent les fauteuils roulants. Parce qu'à chaque temps, j'avais besoin d'une aide. J'avais toujours besoin qu'on m'aide, soit de pousser mon fauteuil, soit qu'on me donne quelque chose, soit ci, soit ça. C'est après ma sortie de l'hôpital que je me suis dit que s'il y a des personnes à valoriser, parlant de handicap même, ce sont des femmes sur fauteuil roulant. C'est pour ça que j'ai créé Miss Wheelchair Cameroun. Bon, en quoi consiste cet événement Miss Wheelchair Cameroun? Parce que c'est facile de comprendre, on connaît Miss Cameroun, on connaît Miss de plusieurs entreprises au Cameroun. Mais maintenant, Miss Wheelchair Cameroun, c'est quoi l'événement en fait? Miss Wheelchair Cameroun, c'est un événement qui réunit les femmes sur fauteuil roulant. C'est un événement qui vise à valoriser les femmes sur fauteuil roulant. C'est un événement qui viendra vraiment changer le regard des gens sur la personne de la femme sur fauteuil roulant. C'est un événement organisé, c'est vrai, ici au Cameroun, mais c'est un événement international. En gros, nous voulons montrer aux gens que le fauteuil roulant n'est pas une restriction et que même dans un fauteuil roulant, on peut faire plusieurs choses. C'est pour ça que nous avons organisé la première édition de Miss Wheelchair Cameroun. Mais est-ce que cette première édition concernait uniquement les femmes sur fauteuil roulant résidentes ici à Douala ou c'était pour tout le Cameroun en général? C'est pour tout le Cameroun en général parce que justement il y a le mot Cameroun et à cette première édition nous avons 4 régions qui sont représentées. La région du sud-ouest, la région de l'ouest, la région du centre et la région du littoral. Voilà, rendu à la fin des demi-finales. 9 projets de 9 candidates ont été retenus. Est-ce que vous, en tant que présidente fondatrice de cet événement, vous pouvez nous dire quels ont été les critères de sélection de ces projets? Oui, les critères de sélection des projets, il fallait déjà que la candidate puisse maîtriser la présentation de son projet. Parce qu'un projet de Miss Wheelchair Cameroun, tu dois l'avoir dans le cœur. Il fallait aussi l'originalité de ton projet, la pertinence même et la faisabilité. Parce que tu peux avoir un projet, mais au niveau de la faisabilité, ça ne va pas. Donc, il fallait que tu puisses bien présenter ton projet, que ton projet puisse être fiable, original et faisable à la durée. Voilà. Maintenant, il faut qu'on touche le côté qui intéresse tout le monde. Là, on parle des partenaires, des sponsors. Pour un événement comme celui-ci, on connaît tout ce qu'on a besoin, des moyens financiers, aussi que des moyens humains. Maintenant, vous connaissez mieux les difficultés auxquelles vous avez fait face et que vous continuez à faire face pour cet événement. J'aimerais qu'on partage ces difficultés avec nos multiples internautes qui nous regardent actuellement parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui sont à même de soutenir un tel événement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous rencontrons déjà beaucoup de difficultés, difficultés de transport. Et même au niveau même des impressions des documents et aussi cette difficulté-là que malgré que tu aies payé ton transport, aller en entreprise, déposer un dossier, tu n'es même pas appelé pour une interview, pour pouvoir même déjà expliquer c'est quoi ton projet. Donc c'est un peu difficile jusqu'à aujourd'hui, ça fait, Miss Wheelchair a commencé depuis le 16 juillet, jusqu'à aujourd'hui nous avons déposé plus de 30 demandes en entreprise et nous n'avons pas encore eu de réponse
venant de ces entreprises-là pour le sponsoring. Et qui est le sponsor de Miss West Cameroun? Nous n'avons pas encore de sponsor. Nous avons des partenaires comme United Express qui a décidé de prendre en charge le transport de celles qui viennent du côté de Yaoundé. Mais en dehors d'eux, nous avons les autres partenaires qui nous accompagnent, surtout des partenaires médias MyFrica TV, Laura Dev Media, Canal 2, ABK Radio, Vox Africa, SIA TV. Ce sont des médias comme ça qui nous accompagnent. En dehors d'eux, vraiment, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les difficultés aussi pour loger même les candidates que nous avons, parce qu'elles viennent des différentes régions. Forcément, il y en a qui n'ont pas de famille dans la ville que nous sommes. Et vous savez, la région du Sud-Ouest, c'est une région vraiment assez fragilisée. Parfois, elles arrivent, comme aujourd'hui, elles sont là. Je suis en train de suivre que la route est bloquée. Il va falloir encore peut-être loger les candidats. Tout ça, on a besoin des moyens financiers et ça devient un peu compliqué. Pourtant, nous avons des candidates qui ont vraiment cette volonté à montrer que le handicap, c'est un état d'esprit, à montrer qu'avec un handicap, on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours évident dans un pays comme le nôtre, où même les infrastructures ne nous favorisent pas. Donc, on veut vraiment mettre en lumière toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on connaît tous la force des réseaux sociaux. Cette émission sera diffusée très bientôt. Et Mirette, voici l'occasion. Si on te demandait de passer un message à tous les internautes, à tous les hommes d'affaires, à tous les mécènes, toutes les entreprises qui t'écoutent actuellement, tu regardes la caméra et tu leur dis directement ce que tu attends de ces entreprises. Écoutez, Mirette, c'est une personne qui a besoin de vous, qui a besoin de nous tous. On peut la soutenir pour ce projet parce que ces gens ont tous besoin de nous. Ce que je vais dire, c'est si vous me regardez aujourd'hui, je vous demande de joindre votre image à la cause à laquelle nous défendons. Si vous êtes une personne sociale, si vous êtes une entreprise citoyenne, si vous respectez la responsabilité sociétale des entreprises, joignez votre image à notre cause pour rendre cet événement meilleur. Nous avons 9 projets qui ont été sélectionnés. Les 9 projets-là ont besoin de financement. Les candidates qui ont pris la route de la finale qui aura lieu le 22 novembre ont besoin de lumière, elles ont besoin d'espoir et notre espoir c'est vous. Savez-vous qu'on organise cet événement-ci? Savez-vous qu'on aimerait avancer? Nous avons des partenaires mais nous avons besoin de sponsors. Donc vous qui me regardez aujourd'hui, je vous demanderai vraiment de joindre votre image à cette cause. Le 22 novembre, jour de clôture de cet événement, première édition au Cameroun, Miss Welcher Cameroun. Nous vous invitons tous, mesdames, messieurs, il n'est jamais tard, chers entreprises, de soutenir un tel événement. Nous ne sommes qu'en octobre. Il est encore temps d'appeler. On va mettre les numéros au bar là pour que vous puissiez contacter et un email que vous pouvez rencontrer directement le comité d'organisation de cet événement afin de soutenir comme vous pouvez. On dit souvent, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ne cherchez pas à donner 10 millions, ne cherchez pas à donner 100 millions. Donnez ce que vous jugez être à même de respecter comme engagement. C'est un événement qui nous concerne tous. C'est un événement qui te concerne. C'est un événement qui me concerne. La preuve, elle a porté seule jusqu'ici. Et elle vous expliquait la difficulté là maintenant. Les candidats qui sont partis de Tiko, de Boya, de Kumba, mais qui actuellement sont confrontés à une situation. Si elle avait des moyens de transport plus faciles, elle aurait pu les amener jusque-là. Donc n'hésitez pas à tendre la main pour accompagner cet événement. Maintenant, nous allons demander à Mirette de saluer, de remercier toutes les candidates parce qu'il y a 3 qui ont été éliminées. Voilà, elle va dire un mot à l'endroit des candidats, de celles-là qui ont accepté de participer à cette première édition. Déjà, je vais encourager toutes les 14 candidates parce qu'elles étaient 14 au départ. Et aujourd'hui, il n'y en aura que 9 qui iront en finale. J'aurais bien voulu aller en finale avec tous les 14 candidats, mais ça demande vraiment beaucoup de logistique. Donc, ce n'est pas vraiment évident. L'élimination, ça me fait vraiment assez mal parce que tous ces projets, ce sont des projets non seulement sociaux, mais ce sont des projets qui viendront
arranger la vie des femmes sur fauteuil roulant et la vie des handicapés en général. Donc je demanderais vraiment à tous mes candidats d'être assez fortes et de savoir que quand on va pour une compétition, on se prépare. Ça va être vraiment du lourd, je vous le promets. Déjà, ça a déjà été le cas. Nous sommes accompagnés par un photographe professionnel cette fois-ci, GPS Studio. Je remercie vraiment tous ces gens-là qui ont essayé de joindre leur image à la nôtre. Merci beaucoup à toutes mes candidates pour la finale. Ça ne serait pas facile, c'est vrai, mais on ira jusqu'à la fin. Voilà, nous remercions aussi le Watt Hotel, partenaire qui nous a accompagnés pour cet événement. C'est dans le cadre de le Watt Hotel que nous sommes actuellement à l'enregistrement de ce programme où les candidats ont eu l'occasion de présenter leurs différents projets et où elles ont logé. Donc, merci beaucoup à le Watt Hotel. Merci à tous les partenaires qui soutiennent cet événement tout en disant que nous avons toujours besoin des sponsors pour la continuité. La finale de cet événement, c'est le 22 novembre 2019. Et faites tout pour faire partie de cet événement qui est vraiment à caractère social. Pour toutes les personnes qui ont la main sur le cœur, c'est l'occasion pour vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et surtout de liker les vidéos. Partagez, demandez à vos proches de liker. Nous reviendrons avec plus d'explications sur cet événement et plus d'actualités autour. Merci à toi, Mirette. Merci beaucoup, Laurent. Merci, MyAfrica TV. Merci. Bye bye.